t'as joué, c'est bien. Tu vises, tu tires, quand le point il y a une tête dedans, tu tires, c'est tout. C'est une mode facile. Et ça one shot dans la tête donc. Oh non. Oh ouais, ils sont beaucoup près de moi. Méchant. Ah, j'ai plus de balles. Pourquoi tu viens dans le jeu toi? 17 kills Victus. Moi je suis loin d'être un pro du snipe, hein. On va pas se mentir. Quoi? Non, dans mon dos. Il y en a un qui campe à la moteuse là où tu peux aller accroupi là. Putain. Ah oui, ok. Bah non, on te laisse faire. C'est tes points, t'as dit. Sinon, t'allais nous démarrer. Non, non, non. Non, le mec il me tire dessus, mais il va pas. Faut pas lui tirer, ça. Ça sert à rien les points. Bah non, ça sert à rien. Un sniper que j'aime bien jouer pour l'instant, James, en Warzone, c'est le MCPR, mais version physique. Il y a un drapeau, je sais pas à quoi il sert. Mon gol. Ah, rien. Ah vraiment, il faudrait les 50 balles sur la SMG1. Putain, il est mongol. Ouais, parce que les 30 elles partent ouais, vite. Les 30 ça part vite, ouais, quand même. Ouais, ouais, les 30 ça part vite, du coup là je. Ah, tu vois là, je tombe à court de balles. Et puis y'a plus de balles du tout. Parce que l'air de rien en plus, tu n'as que 4 chargeurs, hein. C'est pas énorme, hein. Ouais, y'a un mec en haut. Putain, j'ai réussi à monter. Quoi, mais qu'est-ce qui est. J'ai failli marcher sur un ennemi, je l'ai pas vu, il était couché quoi, j'ai marché dessus le type. Ah, je me suis mouru par le monsieur qui était en train de camper en l'air, les gars. Mais je veux bien prendre les points, mais si je meurs, faut pas prendre les points. Tonton, t'es où? Quand on veut, on peut, il paraît. Ah ouais, mais quand on veut. Bah, y en a certains, quand ils veulent, ils peuvent camper aussi, hein, Putain, mais ils campent, c'est des campeurs, ils prennent pas des points, ils campent. Ouais, c'est normal. Tu peux pas. C'est même qu'avant, quoi. Non, non. Tu peux pas et savoir jouer et camper, tu vois, faut faire des choix dans la vie. Du coup, ils ont fait le choix de. Il y en a encore un là, les gars, je sais pas si quelqu'un a un 18, mais j'ai pas de 18, moi je suis. Mais moi, je sais pas jouer, je cours partout. Moi en vrai, je préfère m'exposer le ratio en courant, reprendre les points et tout, que de camper et de faire une série de 20 kills. Hein, c'est. Ouais, mais il y en a, ça les intéresse pas, tu vois. Je l'ai fait une fois quand j'ai fait mon 26-0 dans la vidéo qui est sortie en quelques jours, là, mais de camper, c'est une des seules games de ma vie que j'ai campé. Hein. Ça les intéresse pas, les mecs, de savoir jouer. Sur des nuques ou quoi, ils s'en foutent en fait. Eux, ce qu'ils veulent, c'est camper et. Comment? Camper et genre avoir un bon ratio. Bah alors pourquoi ils prennent pas les points? Match à mort par équipe. Parce que Russ c'est la partie la plus rapide en fait, du coup c'est là où tu vas faire tes kills opératifs. Tu campes allongé dans un coin, tu fais genre 5 de KD, tu vois, c'est n'importe quoi. Mais... Tu fais ça, tu vois, et après tu vas flex devant tes potes, ouais t'as vu, moi j'ai 5 de KD, je suis trop chaud, tu vois. Et c'est ça ce mec là. Eux ils font les flex devant leurs potes, ouais t'as vu. C'est comme les gars qui font du reverse boost pour faire des nuques là. Ouais c'est ça, ils flex, j'ai plus de 100 nuques, mais tu joues dans les lobbies de mecs qui ont 0-3 de ratio. C'est ça. Et après le mec il va c'est comme ça qu'il va te justifier qu'il utilise un VPN, tu vois, parce qu'il a trop de KD. Il a trop de KD, il peut pas jouer dans les lobbies normaux. Ça marche pas normalement le VPN en multi, moi j'avais. Ça marche moins bien que Warzone, hein. Si tu sais bien le localiser, voilà. Il marche, t'inquiète pas. Moi l'autre fois j'avais essayé pour voir comme ça par curiosité avec CyberGhost, ça a pas marché, j'avais mis sur. Non, parce que CyberGhost il marche pas.
Et pourtant, il y en a plein des youtubeurs qui disent ça marche, comme Tomaki, tout ça. Non, attention. Ouais, c'est ce que j'allais, exactement ce que j'allais dire. Méfie-toi avec ce qu'ils racontent, ils sont payés 2, 3, 4 000 balles pour dire que le logiciel fonctionne. Ouais, ils sont sponsorisés, ils vont pas te dire que ça marche pas. Hein. Le mec, il mettait. Tomaki mettait Israël et il disait que ça marchait. Quoi. Non. J'avais essayé, ça marchait pas, quoi. Tomaki et tout machin, ils utilisent pas Cyberpunk. Ah bon? Non, lui, c'est ce qu'il utilisait dans la vidéo, mais... Moi, je vous ferai bientôt une vidéo, les gars, détaillée, parce qu'une heure par soir, j'utilise de temps en temps de la GoFast, exprès avec les Easy Lobby et tout, là, et volontairement, je vous ferai une vidéo détaillée là-dessus, sur ce que j'en pense, pour voir si réellement c'est une légende ou s'il fonctionne, c'est prévu. Et je vous spoil pas, pour le côté multijoueur, c'est de la merde, voilà. Je dis pas tous, hein, moi je vous parle que de la GoFast, ici, hein. J'ai quand même payé 7 euros pour ce logiciel pour tester, fin de vidéo. Voilà. Ok. Moi, quand, je sais que quand je veux, je proxy, c'est gratuit. Pas la tête. Ouais, mais je. C'est pareil qu'avec elle. On n'a pas les mêmes capacités, hein. C'est la même technologie que le VPN, c'est justement Tommy. Parce que le VPN, du coup, les gens font la pub dessus et tout, tu vois. Ouais. Je crois, Biproxy, c'est quoi ça? C'est un peu comme un VPN pour les gens qui savent s'en servir et c'est gratuit en fait. Ouais, en fait le proxy c'est tu délocalises ton IP sur un serveur fixe. Donc c'est toi qui choisis le serveur en fait. Par exemple, CyberGhost, ce qu'il fait, c'est que tu vas choisir un serveur, disons, je sais pas où. Disons, c'est un peu comme mon router gaming, alors je peux choisir ma localisation aussi. Ouais, je sais pas si ça marche sur le PC, mais. C'est pas pareil, mais c'est sur la même idée, mais c'est la même base, la même idée, mais c'est pas tout à fait pareil, la même chose. Quand tu vas choisir sur un VPN, tu vas choisir la région, tu vois. Par exemple, si tu choisis France, tu vas choisir, je sais pas, genre Auvergne, tu vois, imagine. Tu vois, mais tu sais pas où il est le serveur, en Auvergne. Quelque part en Auvergne, mais tu sauras pas où. Tandis que le proxy, lui, il te donne une adresse IP, et le serveur où tu te connectes, en général, il te dit ce que le serveur est capable de faire. Genre, ça c'est un serveur pour jouer, ça c'est un serveur pour travailler, ça c'est un serveur où tu peux transférer des données facilement. Toi, t'as tout ça sur les proxys. Mais après, t'as des proxys payants, t'as des proxys gratuits. Mais t'as des listes de proxys, vraiment, genre, les VPN US, par exemple, en général. Les VPN US, en général, c'est Los Angeles et New York, quoi. Oh, mais là, c'est des grandes parties, là. Faut aller là-dessus. Si tu veux un proxy aux US, littéralement, t'as des dizaines de milliers de serveurs aux US. Et tu peux littéralement te connecter dans le trou du cul des yeux, si tu veux. Oh, il est tout ça quoi. Du coup, c'est gratuit, la différence, c'est gratuit, mais personne n'utilise. C'est trop peu connu, et après, c'est pareil, quand tu te connectes sur des trucs que tu connais pas. Tous les serveurs ne sont pas. Safe. T'as des gens qui utilisent des serveurs pour faire du transfert de fichiers, mais c'est pas du légal qu'ils font, quoi. Non. J'irai sur Black Ops, parce qu'il était mort, qu'il avait été... Bonsoir, Nerox, c'est aux gens qui arrivent. J'ai entendu Black Ops, mais j'ai pas bien entendu. Ouais, j'ai dit, il y a quelqu'un qui tirait dessus, il était devant toi, j'ai pas vu que tu l'avais tué, du coup, je t'ai lâché un chargeur dans le cuisine, vraiment. Non, je suis mort. Je suis désolé, mais je t'entends vraiment pas, ton micro est super bas pour moi. Attends, j'entends. Moi... Tu veux que je parle plus près du micro? Comme ça? Ah là, on t'entend vachement mieux, par contre. Ouais, bah là, c'est normal, le micro est collé. Il est dans ta bouche, le micro? Non, pas dans ma bouche, mais. C'est comme ça, pas loin. Quand je tourne la tête, j'ai le casque qui cogne dans le micro, c'est pas pratique. Hé hey, Akam, espèce de jaloux, regarde. Je fais 4 kills de plus que toi, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Papy fait de la résistance, frérot. Moi, je kiffe vraiment la nouvelle arme, hein. Je suis amoureux, hein. Hey, attention, c'est Papy qui a fait plus de kills de la game, quand même, je tiens à vous le dire. Ouais, plus quoi. Un kill près, quoi. Toujours pas de nuque, hein, par contre. Hein.